Bonjour à tous et bienvenue sur Piment TV, bienvenue aussi dans l'émission Cause pour nous, l'émission qui reçoit des artistes de la Réunion ou de l'océan Indien. Aujourd'hui, dans l'émission Cause pour nous, nous reçoit quelqu'un qui vient de la Réunion, un bon créole de chez nous. Son nom s'appelle Rico Itema et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Rico. Bonjour Jean-Claude. Vous êtes là? Ça va? Hein, oui, vous êtes là? Vous voulez enfin arriver un coup chez nous? Ah ben bien sûr, voilà. Quand on à la télé, oui. À la télé, mm-hmm. Ben jamais ou un petit coup près. Ben là maintenant, là où la vie un petit coup près là. Hein? Il doit faire un petit bigote. Voilà, bigote aussi, si vous voulez. C'est pareil, ouais. Même quand on cave des hommes. Voilà, ben. Bon, en français, en créole, connaît. Hein? Depuis longtemps, on est habitué à grandir. Habitué cause moins tué, moins connaît. Ben là, je vous dis, mes prénoms un petit peu plus le mot, la question, la parole, un petit peu plus joli, les plus valables. Ouais, ouais. Par mes prénoms, comment on parce que vous venez tout seul, vous venez avec un manager. Oui, voilà. Parce qu'on ne marche pas tout seul, on marche avec un manager. Hein? Mon manager, il dit, moi, enfin, la prononce, le premier album, tu seras sorti. Ben, on a deux mots, il dit dedans. Et les gens qui ont demandé une semaine, ils disent, ben, je ne connais pas que ça, il dit, on a des mots dedans. Ben, il dit, moi, ben, comme il dit, ah bon, il vient comme ça, alors. Hein? Ben, on a des mots, comme il dit, le chanson de le premier là, comme le deuxième si, comme elle a dit, il dit, mon maton tire à maille. Qu'on dit, côté maman, maintenant qu'on m'attend, il dit, moi, un coin, ma tante. Et les autres, quelqu'un, enfin, il dit, moi, la pointe. Et comme elle la présente à Zot, elle m'a dit Zot, et c'était que la cause avec moi, elle la présente devant Zot. Elle m'a dit oui, elle a dit ah bon, les comme ça. Alors, dit là, maintenant, on y connaît. Les bons. Voilà. Rico, on n'a pas dit tout seul, on y avait écouté oui. Manager. Diego, bonjour Diego, bonjour, comment il est hein? Ça va. Ça va parce que sous l'est, Rico, il dit ça va, il arrête bien, nous là. Ah, les causes m'ont fait, pareil, un locomotive qui a finalé, ça va aller là. Mais nous aurons l'occasion de causer avec lui là, parce que si c'est dans cette émission là, c'est l'émission de Rico Itema. Alors, Rico, combien de temps. Où les larous de la musique là. Ben depuis tant tu mettais ça encore bassin matin alors mettais avec bassin matin c'est les ça non dans les bassin plate. Ah, dans les hauts bassins plates, ouais. Oui, ouais, ouais. Bah, les nés Saint-Pierre, moi. Ouais, ouais. Bah, dans ce temps-là, quand tu es en bassin marathon, dans ce temps-là, d'un temps amusé, alors. Ouais, ouais. Là, il pointe de. Comme maintenant, comme il a toute sauce, comme il a là. Et longtemps, il prend rien. Tu travailles dans une canne, tout ça, là. Il travaille un petit peu dans une canne. Le mag, la plie tombe pas. Quand les meilleurs nous comptent, quand la plie tombe, pour des pailles cannes, les meilleurs. Ah quoi, il échappe plus vite. Ah oui, ça pitonne. Il est pitonne pour des païcans. Oui, voilà. Ouais, hein. Et avec ça, il veut dire, oh, quand il fait de soleil, il est bon aussi. Ben, avec ça. Ben, un peu de monde à trouver meilleur. Quoi, ils mettent de feu dedans. Oui, voilà. Wow, ben, il n'est pas bon du tout. Il faut travailler. Ben, voilà. Travailler. Hein. Et moi, il est comme ça. Après, quand maintenant, qu'on arrive près de l'eau, ben, ça matin, tout ça là, nous t'ai fait moins 4-5 km pour être de l'eau en Sérécane. Ouais. Et Bérive. Fait moins 5-6 km par là. Sort de bassin matin, mon Bérive. Bérive, c'est ça. Mais avec ça, dans ce temps-là, mettez-moi 26 sur les cannes pour trapper de l'eau avec. Ouais. Mais il trappe avec un petit baguette, comme il monte dans ce moment-là, et il bat dessus. Par contre, ce patron boit mal bas. Est-ce qu'il m'a dit, c'est mal bas? Parce que mon frère-ci, dans le religion mal bas. Ouais, ouais. Mais avec ça, il bat dessus. Il aime comme il bat ça, le monde pour travail. Il dit, mais jeune homme, il bat bien, et bien ton beau mal bas. Il dit, oui. Ben maintenant, mettez ça en même temps avec. Ben écoute, apprendre santé, tout ça là, tu sentes un petit peu avec, on dit un séjour. Et comme mon père avec ma mère, l'a dit, moi, il me dit, un petit peu franc. Vous comprenez ce que je me dis? Oui, mais comprends-moi. Mon papa, il faut que je sois un petit peu de parole, d'une autre manière. Ben là, quand l'a dit, moi, un séjour, elle dit, moi, non, un don. Et m'a, quand elle voyait moi l'école, mettez ça marron, mettez ça pas l'école. Ben c'était avec ça, ben écoute, l'a dit, moi, non, un don, il dit pas moi quoi il est. Ben, donc là, dimanche, qu'on m'a découvert, ça content, la famille, ça content. Ben, alors, le don, c'est ça. Ben, la parole, je dis, mais qu'on ne peut pas lire, qu'on ne peut pas écrire. Ben, le don, c'est ma la tombe de la musique, ma la santé, ma gaffe sort à l'album. Ah bon? C'est ça. Voilà, c'est ça, voilà. C'est un don, là, dimanche. Voilà, on l'a fait pas sortir qu'un album, parce que. Oui, la deuxième album. Ou le premier album, c'est Tifila, c'est ça? Ça, c'est le premier album, ça, il monte là-bas, là, hein. On a combien de temps, ça, l'album, là? Tifila, là? Depuis le mois de juin 2014. 2014? Oui. Hein? 2014, et ça, on a 5 morceaux là-dessus. Oui, 5 morceaux. 5 morceaux. Et là, dernièrement, on ressort tout le nouvel album. Oui, il s'appelle Josiane, ma chérie. Oui, c'est ma femme. C'est madame. Il fait un petit bisou, contraire. Mais bon, regarde, camarade, fais un petit bisou. Un petit bisou. Ma femme, mon fils et toute la famille. Voilà. Un petit bisou. Donc, on fait un album pour lui alors. Oui, oui. Deux albums. Ma petite femme.
Voilà. Josiane. Oui, Josiane, ma chérie. Bon, alors... De chérie, il dit mon chéri. Hein. Mais en allemand, il dit ma chérie, mais pareil même. Mais moi, je ne comprends pas ce que ça dit. Ouais. De chérie, il sent mon chéri. Oui, mais vous l'écrit, Josiane, ma chérie. Là. Oui, oui, oui. Hein? Voilà. Comme il sent, il dit mon chéri. Ah parce bon? Que sous mon manager, en dernier, pour la dire moi, bah, dit, bon, il dit, c'est ça, les mettre ma chérie. Ouais. Parce qu'il a dit, bon, mieux, si tu chantes, il dit mon chéri. Bon, il dit mon chéri, il dit ma chérie. Ah il bon? Tombe, ben, les gens, ils comprennent. Ils comprennent. Mais souvent, ils sont plus jolis comme mon manager. Voilà, voilà. Plus joli, ma chérie. Justement, attends un coup. Voilà. Cause un petit coup avec voilà. Diego, un coup de manager, parce que Diego, il doit pas être facile, le manager, un bouc comme Rico, il était mal, là. Ah ben, il passe des bons moments quand même, parce qu'on rigole bien. Hein. Et donc, non. C'est vrai. Alors, que... c'est quoi, il consiste sous ton rôle de manager? Ben, manager, c'est un bien grand mot. Mm. C'est-à-dire que, bon, mi, déjà, c'est un ami, c'est un copain, mi, il fait un coup de main, que ce soit dans les papiers, dans la musique. Un peu tout, quoi. Yeah, hein. Voilà. Ouais, ouais. Donc, hein. C'est manager, c'est un grand mot. Ouais, 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 ouais. Parce que pour sortir un album comme Rico, il ne connaît pas lire, il ne connaît pas écrire, il faut un mot, il garde un peu, il corrige un peu, il mange un peu. Voilà. Hein? Donc, ça. Là aussi, il est là pour ça. Voilà, le premier album m'a pas l'occasion de connaître Rico, donc m'a pas pu intervenir sur le premier album. C'est vrai qu'au niveau des textes, on aurait pu corriger quelques. Parole, mais bon. Parce que quand Rico ou écrit bon morceau, Diego, il corrige un peu bon texte aussi, alors. Bah oui, 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 hein? C'est dit. Là, le troisième album, ça a sorti, la parole, on va apprendre un petit peu mieux. Ah bon? Beaucoup, beaucoup mieux. Hein? D'accord. Parce qu'il est vraiment, comme il dit une parole comme ça, comme. Mais les gens ne comprennent pas trop, ils disent à ma manière parce que les gens, quand ils parlent, ils chantent, ils connaissent comment ils disent. Ouais, ils ouais. Disent la parole. Ouais, 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 ouais. Hein, les bons alors. Hein. Et quand on chante comme ça, là, hein, on chante rien que c'est gars ou? Oui, c'est gars, un petit peu tout. Un petit peu tout. Les morceaux de légendes, tout ça là. Reggae. Un petit peu reggae aussi, tout ça. Un petit peu reggae aussi. C'est varié. D'accord. Alors, on est allons l'air côté nous aussi, l'autre côté là-bas. Là, il s'appelle Joël Lamont, je me suis Joël Lamont, l'autre côté là-bas. Là. Moi, comme ça, il aime bien mon morceau, M. Joël Lamonge. Hein? Ah oui, ah ouais. Oui, oui, oui. Le morceau qu'il aime mieux de M. Joël, c'est quoi, là? Ben, si c'est le écrit, t'as l'air sur. Mais ça m'a écrit, non, il ne faut pas dire que m'a écrit, c'est un petit bout de papier. Ah bon? Non, il ne faut pas dire. Bon, ben, sûr. Mais pas grave, de mon écrit, m'a écrit, c'est un petit bout de papier. Longtemps, on m'avait un poncteur, ça a été gardé dedans, comme là, le poncteur a déménagé. Voilà, c'est bon. Maintenant, j'ai écrit, c'est un petit bout de papier. Voilà. Non, non, moi, c'est Jessica. Oui, Jessica, oui, oui. Jessica, n'a courage. Hein. Oui. Mais Joël, elle a pris un clip sur Jessica. Elle a une bonne scène, elle a été enregistrée, bonnes affaires, elle a un peu longtemps. Par contre, dans le dernier album, il vient de dernier clip, il vient de sortir, il s'appelle Assez. Ça m'a sauvé ma marque, Décimo voilà, Papier. C'est ça, la vie dans la télé. Là où vous ne connaissez pas Léo, fait une vie, ma marque assez là-dessus. Bah, mais elle a compris, elle a compris. Mais il ne comprend pas quel bagage. Il faut faire ce mot. Hein? Il ne connaît pas. Il connaît, il a vu ma marque. Mais il ne voit pas, mon zif, il toujours. Nous écoutez le morceau. Oui, bien sûr. Joël Lamonge. Allez, assez, oui. C'est bon? Oui, allez, passe, on nous revient après tout de suite. Okay. C'est bon? Allez, les parties alors. Assez, assez, marche tout seul. Tu fais mal à moi, marche tout seul. Quand tu dis la vérité. Passe dans le chemin, dans mon lit, j'aimerais marche tout seul. C'était là, elle est vraiment jolie. Tu sais.
Eh ben, nous revoilà après ce clip de Joël Lamonge, assez, hein. Et une bonne morceau qu'on fait à là, hein, qu'on écrit. Quand on écrit, quand on imagine le morceau, là, hein. On va prendre les parquets, ou après? Oui, ben, mais prendre le parquet, parce que mes vidéos, une fois, m'ont fait un peu la journée, et une fois, un peu de m'endormir le soir dans mon rêve. Comme bon? Il rêve. Donc, on rêve aussi? Oui, comme il rêve, oui, normalement, mes vidéos, comme si, là, moi, dans mon morceau, il est avec moi, alors. Ah bon? Avec moi, il prononce le mot, la parole, me dire, et comme un peu la journée, puis de mon rêve, il fait un peu, il revient avec moi, et comme il lève le matin, quand vont réveillant, c'est lui, comme ça, mais si je bois de lit, et mais ils sont deux coups, trois coups, et ils résistent toute la danse. Ah bon? Ils sont pire après. Non, ils sont petits du tout. Ça parlera toujours là. Et puis, on a lui après aller tout même temps. Ah, pourquoi on a un monde pour écrire, pour dire, ou dire, pour écrire? Oui, personne n'a besoin sans. Il veut le morceau, il veut la parole pour parole. Il prend un style, mais explique mot pour mot. Ah bon? Il écrit pour elle sans lui alors. Ah, hein? Si il veut le morceau, il veut écrire la parole. Mais il... sinon, ou pas besoin d'écrire? Non, moi, besoin, moi. Moi, c'est là-dedans, moi. C'est dans la tête, moi. Mais le morceau, depuis au début jusqu'à la fin, il est pareil. Même quand on décide d'aller au studio, ça tout l'a entraîné avant, les pareils même. Oui, pas tout changé. Pareil même. Alors, album là, dans quel Diego peut-être hein, ou ça va tourner ça ou ça enregistre tout ça l'album là. En fait c'est Rico qui peut répondre à vous. Pardon. Quel studio de l'enregistre ça. Ça m'a fait ça par Michel Rismond, la ligne des bambous, la ligne des cabris. Ah d'accord. Ben, Michel Rismond. Les bons là. Et puis ben, là maintenant depuis ça le troisième album et mes vidéos le des autres là le de l'album a fait que son lit. Mais le troisième album non et ça a fait un autre côté que mon manager occupe pour moi. Ah bon voilà. D'accord alors ok quoi. Les bonnes morceaux la fin non. La fin de mettre dans la tête toutes les bons là. Oui, tous les corrects. Cinq morceaux même. Oui, cinq même. Cinq morceaux, voilà. Parce que le premier album, il y a cinq morceaux. Oui, deuxième album, il y a cinq morceaux. Hein, premier, deuxième, t'es là. Voilà. Le deuxième album, il est sorti quand ça en a longtemps ça. C'est de la mienne, je vois. C'est la fin de l'année, je crois. C'est l'année vient de finir là. C'est quelle année là, pas là, 2016. Oui, voilà. Hein, 2016 vient de finir là. Hein, il y a un bon morceau. Attends, on appelle le bon Sega. Les bons Sega, les bons. Il appelle Josiane, ma chérie. Et ma tante Tiramay. Oui. Après. Randy. Oui. Hein? Et après. Les gens. Oui. Et après la prison. Après, voilà, quand je fais mon souci à prison. Oui. Ah, parce que. Connais. Il arrive un petit problème, tu sais, des gens dedans. Ah bon? Voilà, c'est voilà. Ça. Donc on l'a profité, on l'a fait un morceau dedans. Tout le monde écoute. Connais, ça arrive n'importe qui, ça. Ben oui. N'importe qui pour rentrer. Regarde toutes bonnes élus, là, voilà. Comment ils rentrent pas à l'un après l'autre, là. Hein, ben, alors. Là, tu problème arrive, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, bien sûr. Et où l'a profité, on l'a fait un morceau dedans. Voilà, on l'a fait le morceau dedans. Les bons. Tellement soutien, mais on l'a fait le morceau, la chance. Mais personne, camarade à moi, alors. Là, il écrit sur un bout de papier dedans. Ouais. Après, quand on l'a sorti, comme ça, on l'a mettre de ma tête. Voilà. Pourtant, à où, là, vous avez beaucoup croire, bon, bon Dieu. Ah, ben oui. Parce qu'ils sont le bon Dieu. N'était pas là sur la terre. Ben. Parce qu'il y en a un peu si tu croyais pas le bon Dieu. Faut croire au bon Dieu. Parce que le bon Dieu, là, si, comment il peut faire mettre toutes les affaires sur la terre, où il a besoin de manger, il a besoin de ça. Il a mettre toutes. Si tu faut pas mettre sur la terre, il y a cassette toutes sur la terre. Hein. Si tu as besoin de mettre sur la terre, il y a mettre toutes sur la terre. Mais ça veut dire qu'il faut croire au bon Dieu. Mais si tu croyais pas le bon Dieu, on dit demain là. Mais quand il y a quelqu'un qui s'en crie, ah bon Dieu, maman. Mais c'est Mazin, maman, qui est le bon Dieu. Parce que c'est ça, là, le mettre en nous, on crie à nous, on comment? D'accord. Mais si le poste sur le bon Dieu ne peut pas arriver comme ça, si la terre comme ça ne peut pas arriver, ouais. Et comment les mettre tout ce qu'il faut, les animaux, le volaille, tout ce qui est la terre. Mais si le monde ne croit pas, il dit quoi? Il dit bon Dieu. Mais comment on va faire? Et vous le faites un morceau aussi, bon Dieu? Oui. Vous le faites un morceau aussi, bon Dieu? C'est ça, on le fait parce que nous croyons le bon Dieu. Ouais. Et c'est ça qu'on m'imagine, tout ça y est dans moi. Et moi, c'est bon Dieu. Là, il n'est pas dans le dernier album, ça. C'est dans le prochain album. Dans le prochain album, ça, hein? Oui, oui. C'est inédit, ça. Personne ne connaît pas encore ce morceau. Non, on ne connaît pas encore. Les bons, quand on dit si nous sommes un coup nous chante, ou chante le morceau. Oui. À moins, là, la guitare, t'es là. Hein, oui. Il prend le guitare, puis il me joue un coup le morceau. C'est bon, bah, hein, Diego fait un peu la musique et tout ça. Diego, là, donne à moi les notes. Ouais. Le morceau commence en mi, Diego. Oui. En mi. Hein, les bons. Ouais. Okay, ok. Les bons, alors, ben, écoute, nous fait le morceau. Oui, le hein, Richard enregistre le morceau, et puis après, allez, okay. Parti, hein. Voilà. Les bons. Bon. Ok, allez, ben, à tout de suite, alors. Le soir, mais ça va dormir, m'y prie avec mon bon Dieu. Mon bouteille bénite sur la table devant mon lit. Maladie, bon Dieu, Seigneur, donne à nous un coup de main. Jésus, la répond à nous, n'est pas un problème. Le soir, mais ça va dormir, m'y prie avec mon bon Dieu. Mon bouteille bénite sur la table devant mon lit. Maladie, bon Dieu, Seigneur, donne à nous un coup de main. Je
saisit la réponse à nous, les pas un problème. Alléluia, 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 amen, le Saint-Esprit pour nous dire. Alléluia, 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 amen, le Saint-Esprit pour nous dire. Bon Dieu, on nous aime à haut. Bon Dieu, on est dans notre cœur. Bon Dieu, on nous aime à haut. Bon Dieu, enfants exilés dans haut bras. Bon Dieu, on nous aime à haut. Bon Dieu, on le dans notre cœur. Bon Dieu, on nous aime à haut. Bon Dieu, enfants exilés dans haut bras. Ben nous revoilà pour ce morceau. Bon Dieu, hein, et oui. Diego la rejoint à nous, la Rocky, ou à nous un petit coup de manager. Hein. Oui, alors voilà. comment elle fait la rencontre entre vous et Diego là, comment ça se fait? Ben comment la fait la trouver? Ben ça fait mais depuis longtemps, petit j'ai un petit peu exode là vers l'orchestre, j'ai joué un petit peu dedans. Ouais. Ben avec ça m'a fait la connaissance exode tout ça avec lui, j'ai joué un petit peu depuis longtemps pour moi après. Avec ça me veut dire comment on a pu trouver à nous après, on a pu trouver. Pardon? Oui, voilà. Voilà. Trouvé. Mais après, comment on retrouve Ali comme ça, ben, la retourner avec. Mais moi, la fait, de l'album. Mais le troisième, là, c'était Midi Bifépi là-bas, m'a retrouvé, il m'a retenu avec lui. Il m'a fait le troisième album pour moi, alors. D'accord. C'est la musique pour moi. Ok, alors. C'est ça. Hein. Et là, au pied de la Galice, tu vois, comme ça, ça prend bien. Ah, non, c'est bien, c'est bien. Comme ça. Il explique comment tout, là. Comment parole migue, pas trop dire, il explique comment il dit tout ça. D'accord. Ah, ben, elle est bon, alors, elle est bon, alors. Et après, il y a d'autres morceaux aussi où il aime bien, parce que bon, fait ses gars, on fait un petit peu reggae aussi, pareil. Hein? Ben reggae non frère. Reggae. Ouais. Ou écoutez Bopé, FJ ou du moins. Marie Joseph ça non? Oui. Ah. Ah c'est un bon ami, c'est un camarade à moi tout ça là, mon habitude avec son famille tout ça là. Mm. Mais ça qu'on nous retrouve dans une semaine, tu dis bonjour à tous, on est croisé un petit peu avec, comment il est, ça va, d'abord. C'est maintenant, mi vidéo comme là nous retrouvons, comme l'a dit mon manager, nous retrouvons, il a disparu un petit peu loin, ouais. Mais là c'était qu'on a dit je nous retrouve, en cause comme avant, comme d'habitude. Ouais. Voilà. Et en parlant ça, dis-moi comme ça, on fait un petit clin d'œil, un petit salut comme ça là. Et en passant un de son morceau, le morceau s'appelle Mien Maou Doudou Chérie. Oui. Allez bon. Oui. Nous mettre ça? Oui, voilà. Les bons, ok. Après, on nous revient. Les bons? Ok, okay allez, pas de problème. Tout de suite, alors. Allez.
Cela ne dit pas mille à débarquer pour nous mettre le paix, pour nous craser. Cela n'avait un peu où il arrivait pour naguer. L'ami rentre pas dans Zézé, l'ami commence à piquer. Cela ne dit pas mille à débarquer pour nous mettre le paix, pour nous craser. Cela n'avait un peu où il arrivait pour naguer. L'ami rentre pas dans Zézé. L'ami comme c'est capiqué, dilélé. L'ami aime mon doux chéri, l'ami aime qu'on roule cabine, l'ami aime qu'on danse mon petit Sega. L'ami aime mon doux chéri, l'ami aime qu'on roule cabine, l'ami aime qu'on danse mon petit Sega. L'ami aime mon doux chéri, l'ami aime qu'on danse mon petit Sega. L'ami aime mon doux cabine. Tu es tiléré, tu es tilolo. La mienne m'en touche, la mienne qu'on roule cabine, la mienne qu'on danse mon petit cigare. La mienne m'en touche, la mienne qu'on roule. La mienne qu'on danse mon petit Sega. La mienne m'en douce chérie. La mienne qu'on danse mon petit Sega. Oui mon petit Sega. Nous sommes toujours dans l'émission Cause pour nous avec Rico Itema, hein, et puis après son manager Diego est là aussi avec nous. Et nous venons garder un morceau de FJ, hein, un camarade oui, ou un talon en haut. Alors, Rico, deux albums, nous avait dit qu'on a encore un projet, faire un troisième album. Ça, on trouve le temps pour aller faire tout bon morceau comme ça. Une fois, il fait ça un petit peu en maçon, comme il veut dire. Une fois que je suis en train d'avoir un petit peu de télé, je n'ai pas pour faire, bien sûr, un petit peu devant la porte. Ah. Ben là, il prend un nom, c'est. Quelle parole peut date avec, quelle parole il faut dire. C'est la parole par bon, je dis bon, mais quand je rentre moi-même, je dis ça n'est pas bon, mais à mettre ça en place. Ah. Voilà. Mais vous n'êtes pas musicien hein? Non, ben, pour parole, mon parole, je écris son, moi. Ah, hein? Le morceau. Ah, hein? Je fais le bon son. Après, la musique, c'est mon manager, regarde. Ouais. Et comme il sentait un petit coup devant, il dit moi je sentais un coup, et là lui au corrige. Après, Diego, vous dire, écrit le morceau, pour ne pas y oublier. Voilà, en fait, quand le, lui fait ses paroles, et quand lui vient, il prend la guitare. Et s'il y a des paroles entre eux, ben, ils coupent, ils mettent en place. Hein? Et puis voilà, donc c'est comme ça qu'ils procèdent. D'accord, alors, ok. Alors, hein. Et après la musique, tout ça, c'est vous qui organisez la musique? Oui, parce que vous en avez un groupe Zot, hein, non? Non. Donc pas un groupe Zot? Non, il fait l'arrangement. Ah, hein, ouais. Et vous faites un petit peu tous les instruments? Un petit peu tout, oui. Un petit peu tout, piano, guitare, et tout ça. Alors. Ouais, donc, c'est bien ça pour vous. Un producteur comme ça, aussi musicien. Il tout paye des aimes comme ça. Ah bon? Oui, c'est ça. Et vous organisez un petit peu aussi les podiums, s'il y a des podiums pour faire ou des soirées pour aller faire à droite, à gauche et tout ça aussi. Des soirées, hein? Ma fin des passes un petit peu, se montre comme grand bois d'un mariage. Mm-hmm. Et puis les autres fois, c'est un podium, mais en bas, c'est la Cayenne en bas. Mm-hmm. D'un fête, tout ça là. Ah ouais, passé, d'accord, alors on est bon là. Hein? Donc, un troisième album alors en projet alors. Hein? Oui, dans le projet là. C'est fin d'année, il va sortir. Fin d'année même alors. Oui, c'est fin d'année. Donc, le film bien avancé alors. Ah oui, le film bien avancé. Les cinq morceaux. Enfin, il reste quatre nains, nous connaissons déjà. On travaille déjà d'ici trois morceaux déjà. Soit fait bien travailler dessus. Oui, hein, bien travaillé. Voilà, et l'enregistrement, la fin choisie, où ça sera enregistré ou bien pas encore pour l'instant? Ben, pour l'instant, c'est pas encore décidé. Ouais, ouais. Donc, on travaille sur la maquette déjà. Mm-hmm. Et après, on va viser pour le studio. D'accord, alors, c'est ok. Ça. Alors, ben, très bien, alors, Rico, nous connaissons un petit peu qui ça roulait. Parce que nous l'avons vu haut dans la télé dernièrement avec un clip qui appelle Madame, ma tante Tiramaille. Oui, ma tante Tiramaille. Hein? Ma tante même, il reste un seul même. Un seul, ma tante. Et côté maman. Voilà. Et côté papa, la pille. Hein? Ah non. C'est pour ça qu'on fait un big up là dernièrement. Là, et puis, on fait un big up à tout le monde qui n'a pas ma tante parce que ça n'a pas ma tante. Il faut que j'en protège ma tante. C'est ça. Veille bien les autres matins parce qu'il oui. Il remplace comme les autres mamans, tu sais, il remplace comme les autres mamans. Hein. Ah d'accord, ah, alors voilà. Elle est bon, alors ok, alors. Ouais, hein, oui. Donc, ma tante Tiramaille, là, qui ça fait le clip là? Ben, sur le clip. C'est mon clip. C'est vous qui faites le clip? C'est mon manager. Hein. Ah, parce que ou les musiciens ou les réalisateurs de clips, tout alors. Fanny essaye, ami des buts. D'accord, alors ok. Hein. Bon, et après, d'autres clips en projet aussi peut-être, non?
Ben, de clip et plus tard, on va ça, mais on doit travailler un petit peu sur le troisième album avant. Un petit peu sur le troisième album avant. Ben, hein? Voilà, après, on va le clip. Allez, bon, alors, ok. Ben, voilà. Ben, en tout cas, merci bien. Si au cas, avait un petit remerciement à faire et tout ça, dans une caméra, là, pour faire un petit remerciement. Allez. Remercie toutes les personnes qui soutiennent moi et me fais un petit bisou, un petit revoir pour la prochaine fois. Et tout le monde, au revoir. Et surtout, oublie pas pimenter les gens. Ah oui, oublie pas pimenter. Oh, c'est mon manager, elle est là. Parce en que sinon, ça. Là. Dans moi, Jean-Claude. Elle n'est pas grave. Sans compter pimenter TV, Jean-Claude, si t'es pas ligne, t'es battu. Là, on met tous les artistes en l'air, mais bien content que lui. D'accord. Si tu parles une, tu peux être dans nous. Allez, au revoir. C'est bon, alors. Et s'il a besoin, ou là, putain, Diego, il répond à moi, on a un numéro de téléphone, un Facebook, on a un truc, un contact, comment il fait. Facebook, avec tous les coordonnées dessus, et puis il y a l'album aussi, il y a tous les coordonnées dessus. D'accord. Sinon, tu peux joindre Rico Itema au 06 93. 702 779. D'accord, l'écrit dessous, Richard l'écrit devant là, comme ça là. Hein? Mais bon, alors, pas de problème. On nous retrouve la prochaine fois alors. Ok, ben, prochaine fois. Je voulais remercier aussi Jean-Claude, je te remercie pour ton accueil. Merci à Piment TV, merci pour tout ça. Et pareil, regarde beaucoup Piment TV, ouais. Bien sûr. Tous les jours, les branchés de Dieu, hein. Tout à fait. Ah ouais. Et donc, merci pour tout ça que vous faites pour les artistes de La Réunion. D'accord, alors. Ok, ben super, alors, merci bien. Allez, au revoir. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Nous aussi, dans une nouvelle émission Cause pour nous sur Piment TV. Allez, à bientôt.